chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, en or, en argent, c'était pas elle que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as eu, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur. Le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait, te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Is there no one like you?
C'est pourquoi il faut se préparer à le rencontrer.
utiliser chaque instant de son vie, de son vie, de sa vie à se préparer pour le moment. En Dieu, d'avoir essayé dans la mesure de leur possible de le servir.
Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous. Pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, dans le nom de la résurrection de la vie, c'est le temps, Seigneur, le temps de la résurrection de Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un soir pour notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Que celui soit parmi lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Écoute, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'oreille. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, haillons de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'haillon de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu donnes une parole et je serai guéri. D'accord, et le sang de Christ. Nous sommes à calor, nous sommes à calor, vous pouvez nous sommes à calor, nous sommes à calor, nous sommes à calor, vous pouvez nous sommes à calor, nous
senza calo chape le senza calo a calo chape calo prendi senza calo le senza calo le senza calo papi le senza calo le senza calo chape le senza calo calo prendi senza calo le senza calo le senza calo le senza calo papi le senza calo calo nanga thank you.
Yahweh,
Bakoti sangana famia bonzambe Na bete loli solo ya camarade nanga Azala kali susu camarade te Akoma na ye famina Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingonayo, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, et son appel, ou Yegota Langate. Batounio, Samo Kiriba, Komi, Kotomanga. Mais tu as attendu. Notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Hey,
et je t'ai pleuré. Oh, je suis seul. Ce programme, sur les volants, une minute de silence pour la mémoire de notre maman, notre soeur, notre épouse et notre fille. Et nous allons prier. Dieu, Prophète Saint, nous voulons encore te bénir pour ce jour. Dans la vie, chaque chose a un temps. Je te prie, Seigneur, en ce moment, pour disposer nos cœurs. Seigneur, que ton nom soit encore béni cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la victoire. S'il vous plaît, pendant la messe, il y aura des témoignages. Nous supplions à tous ceux qui vont témoigner d'être disponibles. Nous avons pratiquement une heure de culte. Après, l'animation dans la stricte intimité familiale. Et à la fin de la collation, fin de cérémonie. Je peux veiller à ce que ceux qui témoignent soient disponibles. Que nous puissions finir à l'heure et que nous puissions tous aller accompagner ton soeur dans de bonnes conditions. Je voudrais verser au deuxième, virgule, verset 4 et 11. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu et de tout ce qu'il a créé. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Personne ne connaît quand est sorti ce monde. Je nous recommande chaque jour d'être prêt. Parce qu'il y a un temps à la vie, un temps pour vivre. Il y a un temps également demain pour que ce monde tout crie. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné
le pouvoir sur quoi? Sur la vie et sur la mort. Pour chacun de nous, c'est notre bienfait, notre bien-être. Maman Lydie a 60 ans. Maman Lisette a 60 ans, a vécu dans ce monde. Elle a une grâce. Il y a ceux qui ont 2 jours, ils ne sont plus. Il y a ceux qui ont 1 semaine, ils ne sont plus. Il y a ceux qui ont 6 mois, ils ne sont plus. Et parmi nous ici, il y a nos égaux qui ne vivent plus. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans, mais nous vivons encore. Je fais rentrer les hommes tournés. C'est-à-dire qu'un jour, toi et moi, nous allons la tombe. Nous allons dans la poussière. Et tu vas essayer de 4. Seigneur, enseigne-nous à compter sur toi seul. Donc, moi, David disait à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Or, la mort et la vie sont sous le contrôle de la puissance de Dieu créateur, en Dieu le Saint-Esprit. Il fait descendre au séjour des morts et enfin remonter. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Qu'est-ce que vous pensez? C'est lui qui détermine que Dieu a préparé. Avec toi, il soutient ma foi. L'âme consacre mon nom. Matthieu 11, verset 28. Un homme peut te soutenir 2 mois, 3, 4, 5 mois, 10 ans à prison de l'action. Dans le cœur de Dieu, dans sa pensée, dans ses projets, c'est son fils unique. Pour toi, pour moi. Et le quatrième point que nous donnons depuis ce matin, la quatrième chose, que le Tout-Puissant les console, qu'il les fortifie, qu'il les assiste en ce moment difficile. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous levons à toi toute cette famille éprouvée par Mingako. Fortifie, Seigneur, ses enfants. Fortifie l'époux. Console chacun. Tu connais, Seigneur, à ce moment, leurs difficultés. Dans les moments difficiles de la vie, mais affermis leur cœur. Assiste chacun. Et accorde leur Seigneur la bonne santé, la longue vie, le repos et la tranquillité au nom de Jésus. Ils sont déplacés dans les créatures de notre nation afin que le Seigneur ramène chacun dans sa demeure en de bonnes conditions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous levons à toi toutes ces délégations. Tous ceux qui sont déplacés au sud, de l'est à l'ouest, préserve leur retour. Préserve chacun. Et couvre-les par ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie en ce moment que ceux qui vont rester ici au village, qui sont également préservés, qui sont en bonne santé, soutiens chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Diomo, Lisette, épouse, Ngako dit mal dit. Moi j'aime beaucoup dire mal dit. Nous avons demandé à Dieu que la terre et sa sainte lui soient légères. Qu'elle parte en paix. Que le Dieu qui donne celui qui l'a ramené en avantage vers la terre. Dieu qui donne la vie. Le même Dieu qui l'amène à la mort. Que le Dieu qui l'a appelé, que la terre soit légère au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bonne venue. Nous ne sommes pas ici là pour une bonne cause, mais ça ne fait rien. Ma soeur et moi, nous sommes des jumelles.
ma soeur et moi, nous sommes des jumelles. Nous avons vécu pendant qu'elle était main dans la main. Amour sans hypocrisie. Ma joie était sa joie. Ma peine était sa peine. Sa peine était la mienne. Sa joie était la mienne. C'est ainsi que j'ai vécu avec alias Mali jusqu'au 13 mars. Mes chers bien-aimés, je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je voudrais que ceux qui peuvent chanter avec moi, parce que nous étions à toi, le Seigneur, Mali et moi, à l'insu, je suis resté Dieu et moi. Bon, je prendrai des engagements devant ce Dieu-là. Que plus près de toi, Seigneur, que ceux qui peuvent chanter, chantent avec moi. C'est avec ce chant que j'accompagne ma soeur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Je suis obligée de rester plus près du Seigneur et que qu'il me couvre aussi le restant de mes petits jours et qu'il conduise ma soeur dans sa demeure. La tristesse est trop grande pour moi. Mais, comme a dit le pasteur, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Si je pouvais faire quelque chose pour ma soeur, je l'aurais fait. Mais l'homme ne peut rien. Je suis dépassée par la disparition de ma soeur. Mais que Dieu l'accompagne dans sa demeure. Que l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, vous reconduise tous dans vos demeures respectives. Que vous rentrez sans accident et sans incident. Que vous entrez tous dans vos maisons. Adieu maman, adieu ma chère. Je vous remercie grandement de ce déplacement que vous avez fait pour venir m'assister. J'ai une situation la plus difficile de ma vie. Alors, tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous expliquer comment ma vie se trouve dans le secret. Alors, vraiment, je vous remercie grandement. Je n'ai pas beaucoup de vous dire que le Seigneur. Que le Seigneur vous a déplacé ici. Qu'il vous ramène tous dans sa maison, dans vos maisons. Merci. Abonné Bélé, Adéjo, Adouala. Nous n'avons pas grand-chose à dire, maman lui dit. C'est une famille qui nous a accueillis. Quand mon frère n'a connu son épouse, le premier jour qu'il a rencontré était tellement accueillante. Elle m'a beaucoup marqué. C'était une maman qui parlait souvent moins. Elle observait beaucoup. Parce que moi, j'observais. Papa Ngankou également, que le Seigneur fortifie. Pour la famille, on va dire seulement un seul mot. Maman Lisette, le nom que j'aime beaucoup, maman Lisette. Ma Mélie va en paix. Ma Mélie va en paix. Que le Seigneur Tout-Puissant tous les portes. Cette terre, chacun de nous a un jour, ton temps a sonné pour y partir.
que cette terre te soit légère. Amen. Merci beaucoup. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pour les siècles des siècles. Amen. Sous la parole de bénédiction, que le Tout-Puissant vous ramène chacun sain et sauf dans sa demeure au nom de Jésus. Ma chère épouse Ngako, je suis ravi de comprendre que son inhumation a été en entière satisfaction. Son repos est vraiment éternel. Nous, la famille, nous avons prié, nous avons demandé le Seigneur de l'accompagner dans de bonnes et dues formes. Concernant les invités de part et d'autre, je remercie à tous ceux qui sont arrivés ici de rentrer dans de bonnes et dues formes, dans de bonnes conditions, que personne ne heurte en chemin. Vraiment, je suis très émotionné pour ce soir. L'émotion, le côté positif, c'est une maman humble, joviale, mais la séparante, enfin, je peux dire toujours positif. La séparante a été très, 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 très brutale.
puisque nous n'avions pas communié ensemble, même à un chevet de lit, pour qu'elle puisse s'en aller de cette manière brutale. Ok, je suis Nathalie Moncam, fille de maman Lisette. Vraiment, c'est difficile de parler. Maman Lisette était une femme humble, joviale, qui accueillait tout le monde sans savoir d'où est-ce qu'il venait. Elle n'avait pas besoin de savoir si tu es l'enfant de X ou de Y. Elle avait toujours les bras ouverts. Et puis je garde un souvenir vraiment mémorable d'elle. Je ne saurais dire avec exactitude ce que je ressens exactement parce que les mots me manquent, c'est vraiment difficile. Ça a été très dur, encore une fois de plus, d'apprendre son décès parce que nous avons rendez-vous, elle et moi. Le jour qui précédait son décès, elle est décédée vendredi. Elle et moi, on avait rendez-vous samedi. Vendredi, aux environs de 10h, je suis au travail, on m'appelle et on me dit « Maman Lisette n'est plus là ». J'ai refusé de croire. Il a fallu que je voie de mes propres yeux pour réaliser qu'effectivement, ce qu'on m'avait annoncé au téléphone était vrai. Donc, tout ce que je souhaite pour Maman Lisette actuellement est que le Seigneur lui ouvre la porte de sa demeure afin qu'elle repose en paix. Et ce que je sais, c'est qu'elle est auprès du Seigneur parce qu'avec lui, il n'y a pas de hasard. Elle est sortie de la mort jeudi, jour de l'ascension, le Seigneur est monté au ciel. Et je sais qu'il est monté avec elle et qu'elle a une bonne place auprès de lui. Ce que je dis à Maman Lisette, c'est que je l'ai toujours aimée, je l'aimerai toujours. Que où elle est actuellement, qu'elle continue de veiller pour moi. C'était une cause très, très joviale, humble, très relaxe. Je vais tout simplement dire qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'accueille comme il a toujours accueilli tous ceux qui ont cru en lui. C'était une femme vraiment aimable, une femme qui a toujours aimé ses épouses, sa belle famille. Mm-hmm. J'aimerais que, à partir de là-haut, qu'elle prie le Seigneur pour nous aussi, nous autres, moi particulièrement, sa épouse qu'elle a abandonné brusquement. Que vraiment qu'elle prie le Seigneur pour que le Seigneur veille sur nous. Et que je puisse continuer à rassembler ses enfants, ses maris, comme elle aussi, elle le faisait de son vivant. Petit-fils de Madame Djomo, Djimali. Bon, vous savez, c'est avec tristesse, douleur, amertume, peine que je vous annonce son décès. Mais bon, vous savez, ici dans cette vie, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Et rappelez-vous d'une chose, que tout ce que Dieu fait est bien. Il a donné, il a repris. C'est vrai, j'ai mal, mais bon, c'est la vie. C'est au chemin de tout le monde et tout le monde va passer par là. Qu'est-ce que tu retiens de Maman Mali? Déjà, c'est ma grand-mère et c'était une femme tellement forte, une lionne. Pour moi, c'était ma mère en fait. C'est elle qui m'a élevé, j'ai grandi, elle m'a montré le bon chemin. Elle a toujours été là, combattue à mes côtés. Je ne vous dis même pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Et de là où elle est, j'espère qu'elle m'entend, j'espère qu'elle me voit. Car c'était une femme exemplaire, aimée par tous. Oui. Et déjà, je souhaite que son âme puisse reposer vraiment en paix. Et que son âme puisse monter au ciel. C'est qu'elle a toujours été calme, posée. Parce que vraiment... Que Dieu la garde en mémoire et que la famille vraiment puisse avoir la force de gérer cette situation vraiment pénible que tous nous sommes en train de vivre. C'est Christ, c'est douloureux, mais vraiment, je sais. C'est naturel, on ne peut pas faire autrement parce que la vie est faite ainsi. C'est parfois la séparation qui cause souvent problème parce qu'on a mis longtemps les maris. Au moment où on disait qu'on devait vivre ensemble, le Seigneur ne nous a pas permis qu'on vive ensemble. Mais c'est le destin. La chance a voulu que c'est nous, ses enfants, qui puissions l'enterrer. C'est là où nous on a gagné. Puis elle se repose en paix. Maman va et repose en paix. La fille de Maman Lisette, franchement, vraiment, je suis vraiment déçue.
Je suis déçue vraiment aujourd'hui. Vraiment, les mots me manquent. Mais tout ce que je peux dire, c'est que maman, repose en paix. Nous sommes de tout cœur avec toi. Le sud de l'innovation de ma mère, vraiment je suis très content de toute l'assistance de toutes ces gens qui sont mobilisés pour venir nous assister. Et je remercie aussi le bon Dieu qui nous a permis de nous donner la force afin que tout se passe selon sa volonté. Je remercie aussi beaucoup ma grande soeur chérie qui était toujours ma mère, mon père quand j'étais petit, mon tout. Je remercie son mari qui se mobilise, qui se bat pour que nous puissions toujours être heureux, que sa famille toujours puisse vivre dans la paix. Je te remercie pour toutes tes grâces et pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Et vraiment, ma maman, toi qui es ma mère, ce que je peux te dire, maman, c'est que ton âme repose en paix et que le Seigneur t'accueille dans sa maison. Tu deviens un ange pour venir nous protéger. Protéger ta famille, tes enfants, protéger tes petits-enfants, protéger ta génération, des générations et des générations, pour que nous aussi soyons prospères, maman. Maman, je sais que tu es là, je sais que tu vis avec nous, je sais que tu marches avec nous, je sais que le bon Dieu t'a accueilli dans sa maison. Maman, encore, moi, ton fils bien-aimé, repose en paix, maman, repose dans la paix du Christ. Que le Seigneur t'accueille et que tu deviennes plus blanche que la neige. Maman, que ton esprit repose en paix. Get your cover now, yeah. I just don't feel sick.